Whoa! Vous êtes là-dedans? Vous allez refaire des vidéos maintenant? Face au pouvoir de l'image, existe-t-il un avenir à la littérature? Alors je sais que vous êtes tous de très grands lecteurs, 12 livres par mois, et peut-être même que vous avez suivi des formations pour lire plus vite. Mais vous êtes une minorité. Car il n'y a que 3% des Français qui lisent chaque jour. Et quand je dis lire, je ne parle pas des posts sur les réseaux sociaux. Car à ce compte-là, nous sommes tous de très grands lecteurs, surtout des lecteurs de conneries. On passe en moyenne 3 à 4 heures sur nos smartphones. Pire encore avec le confinement. Alors quitte à scroller, autant que ce soit pour des trucs un petit peu plus fun, vous ne croyez pas? C'est le pari qu'a fait Rocambole, une petite application mobile qui, si elle ne prétend pas nous décrocher de nos écrans, nous promet au moins de lire des choses un petit peu plus pertinentes qu'un post Twitter. Rassurez-vous, ce n'est pas un placement de produit ni une sponsorisation. Compagnons conteleurs et conteleuses, préparez vos plumes car aujourd'hui nous allons découvrir ensemble comment écrire une série littéraire. Les séries littéraires, ce n'est pas nouveau. Avant, on appelait ça des romans feuilletons, et ils paraissaient dans les journaux sous la forme d'épisodes. C'est la littérature qui a créé ce concept de série. Arsène Lupin, Fantomas ou encore Sherlock Holmes. Les romans feuilletons ont posé les bases de certains codes scénaristiques qui seront repris bien après dans les séries télévisées. Ces codes qui ont des noms barbares comme Cliffhanger ou Flash Forward. Des auteurs comme Charles Dickens ou encore Alexandre Dumas ont été d'abord des feuilletonistes avant d'être des auteurs. Un peu comme un réalisateur qui se lancerait d'abord dans un court-métrage avant de se lancer dans un vrai film. Le roman feuilleton est un genre littéraire qui a très souvent été critiqué et rabaissé. La principale critique étant que les romans feuilletons étaient oubliés aussitôt qu'ils étaient parus. Et oui, un journal, ça se lit, ça se jette. Alors qu'est-ce qui a changé? Eh bien ça, votre smartphone. Et à moins d'être milliardaire, vous ne le jetez pas dans les toilettes celui-là. Notre smartphone nous suit partout où que nous allions. Dans les transports, au travail, dans le lit et même pendant nos pauses pipi. Les séries littéraires ont désormais un format petit, discret et entre guillemets éternel pour prospérer. Pour les besoins de cette vidéo, j'ai sélectionné 3 séries littéraires particulièrement appréciées sur la plateforme en ce moment. Curio, de Hugh Turner, deux voleurs d'âmes qui sont entraînés bien malgré eux dans une histoire de complot sur fond de cosmogonie vaudou. Les Évaporés, de Cécile Duquesne, un récit post-apocalyptique qui met en avant le libre arbitre et la différence entre vivre et survivre. Et enfin Ève, de Anne Langlois, une revisite du mythe de Adam et Ève, mais cette fois-ci du point de vue de Ève, avec beaucoup d'humour. Vous n'aurez pas mon avis sur ces 3 histoires, ce n'est pas le but de la vidéo. Nous allons plutôt nous concentrer sur la façon dont sont écrites ces 3 séries et sur les similitudes que vous pourrez reproduire à votre tour pour écrire une série littéraire. Une série littéraire se compose de 10 à 13 épisodes environ, chaque épisode faisant la taille grosso modo d'une page A4 écrite en 12. 40 pages pour raconter une histoire avec un début, un milieu et une fin, mais surtout avec une intrigue captivante et des personnages attachants, c'est peu. L'intrigue doit aller droit au but. Il faut que chaque épisode fasse avancer l'histoire. Pas de temps mort, pas de passage trop compliqué ou de description trop longue, pas de sous-sous-intrigue, vous n'avez pas le temps. Entre nous, c'est un excellent exercice. Faire simple, c'est en vérité très compliqué. Il va donc falloir vous retenir d'écrire 2 pages de description pour nous dire ce que vous avez mangé ce midi. Et de réserver les envolées lyriques uniquement pour les passages importants. Pour toutes ces raisons, le premier épisode d'une série littéraire est sûrement le plus important. Voici ce qu'il contient systématiquement, ou en tout cas dans la majorité des cas. Une présentation du personnage principal, présenté en bleu. Un objectif ou un but à atteindre et qui est clairement énoncé, ici en vert. Une menace ou un obstacle suggéré, ici en rouge. Une épée de Damoclès ou une pression temporelle, en gras noir.
un élément de l'univers révélé que l'on nomme aussi règle du nouveau monde, présenté ici en orange, et enfin un cliffhanger, ici en violet. Cliffhanger signifie littéralement la main sur la falaise, celle qui vous retient de tomber in extremis dans le vide. Le cliffhanger sert à couper l'épisode à un moment crucial du récit, soit pendant une action, soit juste après une action, ou alors juste avant une nouvelle action. Et parmi tous ces points, deux sont à retenir car ils sont spécifiques à la série littéraire. Alors il y en a d'autres, mais je vous laisse surtout vous parler du cliffhanger et de l'épée de Damoclès. Puisque le temps manque dans une série littéraire, alors il faut apposer un rythme rapide à l'histoire. Et il n'y a rien de mieux pour ça que d'ajouter une menace temporelle au-dessus de la tête de votre héros. D'ajouter une sorte de deadline à la fin du monde. Il nous reste 18 jours avant qu'il entre en collision avec la Terre. L'autre avantage de l'épée de Damoclès est de poser très rapidement des enjeux à l'histoire, et donc de se sentir investi dans l'histoire en tant que lecteur. Puisque les conséquences en cas d'échec seraient terribles. Cette limite temporelle vous assure de ne pas traîner en cours de route, et vous assure également que chaque épisode de la série littéraire se concentre sur l'essentiel, faire avancer l'intrigue. Car c'est aussi ça qui permet de construire le squelette de votre récit. Comme vous êtes pressé par le temps, vous allez sélectionner avec soin les informations que vous allez donner à votre lecteur, comme les règles de votre univers. Et au lieu de tout balancer d'un coup, vous allez répartir les règles et les informations tout au long de la série. Exemple ici avec les évaporés de Cécile Duquesne. Dans le premier épisode, nous apprenons que la contamination chimique est partout, plutôt radioactive, et c'est une des règles qui pose les bases et l'ambiance de l'univers des évaporés. Puis, dans un autre épisode, nous apprenons que cette contamination est en réalité plus forte là où la végétation est plus dense. Nous l'apprenons au moment où notre héroïne se retrouve dans une forêt. En révélant les règles petit à petit, vous maintenez l'esprit du lecteur en éveil et surtout vous prévenez d'éventuelles incohérences. En plus de ça, la lecture devient tout de suite beaucoup plus fluide et agréable puisque vous n'êtes pas surchargé ou bombardé d'informations lourdes à digérer. Quant au cliffhanger, il vous permet surtout de retenir l'attention de votre lecteur, ou en tout cas de susciter un intérêt chez lui, et de créer un suspense artificiel mais très efficace. Placé ainsi à la fin de l'épisode, vous vous assurez que votre lecteur va se précipiter sur la touche épisode suivant pour ainsi savoir ce qui va se passer. Et c'est d'autant plus efficace que l'histoire est courte. Netflix utilise cette technique tout le temps. C'est à cause du cliffhanger que vous vous retrouvez à binge-watcher les 6 saisons de Orange is the New Black en une semaine. Le succès d'une série littéraire repose sur deux éléments. Créer une histoire qui ne soit pas bâclée et créer des personnages attachants. Mais comment faire en seulement une page par épisode? Ce n'est clairement pas suffisant pour s'attacher à un personnage et je ne peux qu'être d'accord avec vous. C'est par la récurrence des épreuves qui frappent le héros et la manière dont il va réagir à ces événements qui va générer en nous ce petit je ne sais quoi, titiller en nous cette envie de le voir réussir. Alors il ne vous reste qu'une seule solution, vous concentrer sur les émotions, les sentiments. Vous pouvez générer des sentiments très forts chez vos lecteurs en infligeant une faiblesse à votre héros. Ou alors créer des sentiments encore plus profonds en conférant à votre héros des valeurs qui sont universelles et qui parleront à tout le monde. Il est tout de suite plus facile de s'accrocher à un personnage qui a des valeurs, qui défend ses principes avec conviction et qui flanche lorsque l'on vient le cogner là où ça fait mal. Et enfin, d'une manière générale, essayez de débuter une histoire qui aurait déjà commencé. Zappez tout le début où le héros vit sa petite vie tranquille jusqu'à ce qu'un élément perturbateur ne vienne le propulser dans l'histoire. Ainsi, dans ces 3 histoires, le récit nous présente déjà des personnages qui sont dans l'action. Dans Les Évaporés de Cécile Duquesne, on nous aurait probablement présenté l'héroïne dans son milieu naturel, c'est-à-dire le bunker, avant d'être envoyée à la surface pour effectuer sa mission. Nous aurions vu ainsi comment et pourquoi elle a été choisie pour cette mission. Et surtout, nous aurions été frappés comme elle du contraste entre son milieu ordinaire et son milieu extraordinaire, c'est-à-dire la surface. Mais là, il s'agit d'une série littéraire. Nous prenons donc l'histoire en cours de route. L'héroïne est déjà à la surface et toutes les informations sur son passé ne nous seront données que si cela est nécessaire à l'intrigue. En faisant ce choix, l'histoire est tout de suite plus dynamique, même si on y perd l'effet de contraste. Après tout ça, certains d'entre vous peuvent peut-être se dire « Mais pourquoi écrire une série littéraire ?» ou même « Pourquoi en lire ?»
En tant qu'auteur, l'exercice est très utile pour se trouver ou tester un rythme. Tester une idée également, tester un concept, sans y perdre trop de temps ni trop d'argent. Quant au lecteur, rassurez-vous, il n'y a pas que des séries conceptuelles ou des séries à concept sur Rocambole. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Du thriller, de la fantasy, du fantastique, du polar, bref, de la young adult aussi, de la romance, vous en aurez vraiment pour votre compte. Enfin, le format court est une chance pour les jeunes auteurs de se trouver, d'expérimenter sa plume, sa technique. Le format court est vraiment un excellent exercice pour comprendre et maîtriser la structure d'un récit. Je vous encourage à écrire vos propres séries littéraires et à les proposer sur la plateforme Rocambole. L'application est encore assez récente pour rester ouverte et à l'écoute, pour donner sa chance à de jeunes auteurs. Ce qui, admettons, est plutôt rare chez nos amis les grandes maisons d'édition traditionnelles. Les séries littéraires Rocambole sont plaisantes à lire, car nous découvrons toute une histoire en très peu de temps. Je ne compte plus le nombre de fois où à la fin d'un livre de 450 pages, j'ai fini par me dire « tout ça pour ça ». Là au moins, je peux le savoir si l'histoire me plaît en 40 pages et pas en 450. Au moins là, on évite les chapitres de remplissage et les paragraphes inutiles qui s'étalent sur 3 pages. L'accent est mis sur la simplicité et l'efficacité, mes deux maîtres mots. Mais prenez garde, ce n'est pas parce qu'une histoire est courte qu'elle est inutile ou sans intérêt. Prenons encore une fois Les Évaporés de Cécile Duquesne comme exemple. L'autrice, en seulement 40 pages, nous amène à nous questionner sur le libre arbitre, mais aussi sur la différence entre survivre et vivre sa vie. Vivre, c'est profiter de la vie même quand il pleut, n'est-ce pas? Toutes ces questions et toutes ces réflexions ouvertes au débat en seulement 40 pages, eh bien c'est selon moi la marque des histoires très bien écrites, et surtout qui méritent d'être lues. Non mais c'est normal d'inventer. Faut pas tout inventer non plus, mais il faut savoir faire résonner l'histoire, la légende. Vous savez ce que ça veut dire, légende? Je crois, oui. Mais je vais mettre 2 heures à expliquer, ça va m'énerver. La légende, c'est qui mérite d'être lu. Quand on file une histoire à un copiste pour qu'il en fasse 3 exemplaires, que ça va lui prendre 3 mois et que ça va coûter la peau des fesses, c'est pas pour raconter le temps qu'il fait ou ce que vous avez bouffé le midi. Hein, faut que ça pète. Compagnons, conteleurs et conteleuses, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé que je revienne après 2 mois d'absence, ou si vous pensez écrire une série littéraire bientôt, alors ajoutez un petit pouce, abonnez-vous et surtout partagez cette vidéo. Ah, ça faisait longtemps. Continuez d'imaginer, de créer et de partager. C'était les Contes de Clé et à bientôt pour une prochaine vidéo.